Bonjour, frère Maxime, comment nous c'est JFL Cuisine Girl, Jean-Fé Dolindy. Votre chef à la maison, traité la canne, moi, dis-nous merci. Je dis à la m'en préparer pour nous un croissant commercial. Moi, gagne 4 tasses de farine. Là, moi, gagne 4 petites cuillères de levure. Ça veut dire, nombre de quantité de farine, moi, gagne, moi, mettez même quantité de levure là. Elle font dans l'eau tiède. Une fois que je finis l'eau tiède là, moi, gagne 2 tasses d'eau. Une cuillère de sel. Pour que ça mette une cuillère de sel là, parce que beurre non salé. Si beurre pas salé, je vais mettre une cuillère et demie. On va commencer à faire pâte là pour nous. Pas oublier, moi, dis-nous, je vais faire un croissant commercial. Si toutefois, pas de machine, on va faire la même procédure là, mais on va faire à la main. Dans la farine là, je vais mettre 2 tasses, je vais mettre une tasse d'eau là-dedans pendant la brasser. Doucement, hein. On va ajouter 4 petites cuillères de levure là qui déjà fond là. Une fois que je fais mettre les levure là, qu'on a la moi mettre l'autre tasse d'eau pendant la brasser toujours. Ça m'a oublié de dire nous tout, non, de l'eau m'a mis à citer de l'eau glacée. Hein, de l'eau glacée. Qu'on a assez prêt, c'est ça nous t'arrêter en détrempe. Même pas là, qu'on a la main pour le retirer, pas là dans le bol là. Moi, vous l'avez dit. Un bloc de beurre. On va le mettre tranquillement. On a regardé, on va couvrir. Et on va le passer ou l'eau légèrement sous lui. Là, on va supposer peser ou l'eau alors on va mettre premier couche beurre ça lui-même. On n'a pas oublié, moi dis non, c'est un croissant commercial m'a fait pour nous. Moi mettre beurre là-dedans ou même on va pas mettre beurre, on va mettre manteigue ou on va mettre Crisco aussi. Moi, je vais le faire reposer avec une serviette humide pendant 30 minutes. Quand je vais venir 30 minutes plus tard, je vais redéposer notre petit farine encore là sous côté. Je vais bien travailler la pâte là pour me faire que tout le beurre bien rentrer là-dedans. C'est pas fait façon de faire là. Quand on est là, moi, pour quitter le fer, on l'autre 30 minutes encore. Là, moi, je dis à deuxième. Là. Okay? Si je fais trou là-dedans, là, je fais deux trous là-dedans. Ça veut dire, moi, je dis à deuxième. Après deuxième 30 minutes là, quand on est là, je toujours mettre un petit farine sous l'eau encore. Quand on est là, moi, je dis pour troisième roulé. On a même fait le troisième moulé à la, nous c'est bien fait, bien roulé, tout beurre censé disparaître. Qu'on a l'âme venu avec deuxième couche, deuxième restant moitié beurre. Moi mettez le soulier encore de la même façon. Qu'on a fini mettre le face en bas, on a la font rouler tout doucement. Je vais faire un petit roule là bien normal pour simplement bien ballon forme. Qu'on a remis ces serviettes humides là encore, il y a l'autre 30 minutes. On a revenu encore, qu'on a sassé le troisième roule à déposer là. Je vais mettre un petit farine encore la même façon. On a roulé la pâte là. Maintenant, ça fait le troisième roule. Dans ces quatrième roulé, ça veut dire que j'ai fait 4 trous là-dedans, ça veut dire que j'ai fini. Qu'on a la moins requitté là encore pour 30 minutes. Et puis cette fois-ci, c'est dernière. Même venir avec dernière couche là, qu'on a dernière couche là. Passons un petit farine encore sur la table là. C'est bien fait. Qui trop, moi pas peser trop plat, moi mettez là en grosseur normale. Pas oublier, c'est toujours
croissance commerciale m'a fait avec. Si bon ça faut toujours retirer. On a dit me choisir gros c'est ça. Dans chaque saum gala c'est un tronc lié. Moi séparé pas moins qu'on a qui ça me faire là, garde bien. Moi fin couper ça tout droit. C'est très important ça me faire là. Moi venir avec un petit bleu là pour montrer nous. Un petit bleu froid. Premier ça me faire là. Moi fais un petit bout, moi trancher un petit côté vraiment à 45 degrés. Une fois que me gagne bon 45 degrés ça qu'on a réparti de l'autre côté pour me gagne l'autre 45 degrés encore. Moi venir encore moi fais la même chose encore. Pour y a une fois que moi gagne ça là, mes bout qui puis maintenant. Peu importe quel côté me prend, côté moi éteindre à nous dit moi rouler commencer à partir d'être là. Moi mets ton petit bleu dans point ça et puis moi roule pas là. Moi fais 1 2 3 et puis me tourne là. Voilà. Moi fais nous les pâtés pour nous là. Mais yo, moi déposer là. Nous recousselier. Là maintenant, qui ça m'a fait m'a mettre m'a badigeonner là avec un petit bleu qui pour enlever farine qui est sous l'ia. Pas oublier me dit nous c'est un croissant commercial hein, c'est très important. Il y a des vieux là-dedans. Moi fin passer de l'eau sous les là qu'on a toute farine censé sortir, qu'on a pas déposer un plateau sous les. On quitter le reposer là pendant au moins 6 heures puis petit. Après 6 heures là monter et puis demain matin m'a venir cuire avec nous et puis n'a pour tout bagaille. Mené là, moi t'ai quitter le reposer pendant 6 heures de temps avec une couverture. Moi le mettre en bas froid, préchauffer froid à 350 20 minutes. Après ça, m'a sauté pour nous. Voilà. C'est parfait qu'on y a là. 350, moi fait bien chaud. Mettez 25 minutes, d'accord? Je mettez 20 minutes, mais après ça, m'ajoute 5 minutes encore. J'ai monté du noir, c'est un pas de fête commercial, moi fait pour nous. Moi fait avec levure. Mais vous, c'est là. Qu'on a nous dit que ce n'est pas de feuilleté bien, mais ça feuilleté. Mais nous, j'ai la feuilleté là. C'est ouvert et puis qu'on a c'est vraiment très très bon là. C'est beau, non? C'est bien fait, c'est bien coloré, c'est bien sec aussi. C'est un pas de feuilleté, ça nous parle de croissant. C'était JFL Cuisine Créole, Jean-Fédon lundi. Votre chef à la maison qui est là. Merci, au revoir.